c'est que le matin devant ma glace, je me dis, je suis en vie. Voilà, c'est le début de ma journée, c'est comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, il y a la pensée. Je suis en vie parce qu'il y a eu la générosité d'un donneur et d'une famille aussi, faut pas oublier. Et après, voilà, il y a peut-être à certains instants, justement quand on est dans les jeux, parce que c'est vraiment très tourné vers le don d'organes, vers le fait qu'on est tous là parce qu'on a eu cet immense cadeau. J'ai des poumons tout neufs, donc je peux vivre tout à fait normalement. Et justement, aller à ces Jeux mondiaux, pour moi, c'est vraiment un défi. Enfin, je me dis, ça va être super, quoi. Aller aux Jeux mondiaux, c'est entrer en communion avec mon donneur. C'est lui rendre le plus bel hommage qui puisse exister mondialement. On a tous un point commun, c'est qu'on a tous en nous ce petit quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'est monstrueusement rassurant. Donc je m'appelle Charlène Lagoutte, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en BTS notariat pour devenir collaborateur de notaire. J'habite en Bourgogne. J'ai été greffée des deux poumons en mai 2015 à cause d'une mucoviscidose. J'ai rencontré beaucoup de soucis avec la muco quand j'avais 15 ans. Vraiment à l'adolescence où j'ai vu la maladie vraiment se dégrader, où je me suis rendu compte que voilà, j'avais bien cette maladie, elle était bien présente et que j'avais presque plus de vie. Enfin. Plus petite, on me parlait de greffe, je disais bah non, je ne serai jamais greffée, mais au final, on n'a pas le choix, c'est soit on vit, soit on meurt. Donc, Étant, je suis bon. Oui, c'est pas mal, mais je te dis, il y a juste ça à corriger, les bras, et puis essaye de bien monter tes genoux. Quoi. J'ai réfléchi pendant 3 minutes, et je me suis dit, bah, Charlène, il ne faut pas hésiter, des donneurs, ça court pas les rues. Quand on part, on laisse sa fille dans un ascenseur, on ne sait pas si on va la revoir, ça va me rester. Cette vie qu'on espère tant revoir redémarrer, mais... Voilà, c'est un peu la loterie, on ne sait pas ce qui nous, on sait pas ce qui nous attend. Je me rappellerai toute ma vie. Pour deux cafés. Pas mes Starbucks, c'est la vie. Stressée quand même parce que j'aime pas l'avion, donc c'est dur. Mais sinon, ouais, super excitée. Comme Charlène, super excitée de commencer là, d'être mélangée à tous les compétiteurs. De vraiment promouvoir le don d'organes, d'en parler même. Puis de rencontrer des gens qui ont les mêmes parcours que nous. C'est loin de chez moi. Non, mais c'est toujours super excitant de retrouver les copains, d'en découvrir des nouveaux. Et puis l'appréhension aussi un petit peu de savoir comment ça va se passer. La chaleur qui nous attend. Non, mais c'est un mélange de tout ça, c'est plein d'émotions en fait. Thank you.
fait d'avoir été greffée. C'est une nouvelle vie qui démarre pour elle, donc une nouvelle vie de jeune femme qu'elle n'a jamais connue, parce qu'elle s'interdisait peut-être aussi d'avoir des petits amis, des choses comme ça, parce que dans le futur, elle ne le voyait pas, le futur, c'était pas possible. Là, elle s'est dit, j'ai un avenir qui se dessine. Certes, il faut que je reste prudente, il faut que je fasse ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Mais je sens qu'au fond d'elle, maintenant, elle a besoin de cette vie de jeune femme qu'elle n'a jamais eue jusqu'à présent. Avoir un copain, déjà, penser à sa vie future de femme. Enfin, c'est une nouvelle vie quoi, qui commence. Ça fait 2 ans, voilà, c'est comme si j'avais une renaissance, que j'étais née ce 22 mai 2015. Je m'appelle Catherine Guittard, j'ai 58 ans, j'arrive de Valence dans la Drôme. J'ai été greffée du cœur il y a 7 ans, après 6 ans d'attente. Et à ce moment-là, bah, ma vie a complètement changé. On démontre que... grâce à la greffe, on peut vivre, on peut faire du sport, on peut rire, on peut partager des instants sympas avec d'autres personnes. Et puis il y a aussi un peu l'aspect compétition, parce que moi j'aime bien. Donc ça donne le piment supplémentaire, hein, faut pas se le cacher. On aime bien aussi avoir une médaille, ou au-delà de participer, qui est hyper important. Mais moi je renie pas l'aspect aussi un petit peu compétition. Le pied On est heureux d'être là, on pense à celui qui nous a donné le cœur et voilà, c'est un moment d'émotion, j'ai beaucoup d'émotion. Et puis le savourer chaque instant, profiter, notamment avec mon mari qui pendant 6 ans a quand même été là sans arrêt, c'est long. En tant que femme, il y a aussi... tel que nous, moi je peux le vivre, il y avait aussi tout ce qui était les rapports avec son mari, les rapports amoureux, si on n'aime pas son corps, c'est difficile, la fatigue, c'est difficile aussi, et c'est ce genre de difficultés qui s'envolent après la greffe. Bah, la vie, elle continue différemment, c'est pas une autre vie, c'est une vie qui continue différemment, qui est la nôtre, avec tout ce qu'on a vécu jusque-là. Et elle est belle à savourer. Pour moi, ça a été très difficile parce que j'avais des très fortes doses de cortisone. J'ai pris 15 kilos et j'étais plutôt coquette et plutôt fine. Et ça a été un moment au-delà de la maladie. Cette transformation physique, le regard des autres a été quelque chose de difficile. C'est ce que vivent toutes les personnes greffées, mais je pense que pour une femme, ça peut-être encore plus violent. Ce que ça fait de donner. En donnant, tu reçois tellement. C'est... Ça n'a pas de prix. Bravo. Bravo. Yes. Je m'appelle Sabine Rodriguez, j'ai 43 ans, j'habite à proximité de Dunkerque. Je suis greffée depuis 10 ans cette année, des poumons, les deux poumons, suite à une mucoviscidose. Moi, ma vie a été déterminée par la maladie. La maladie a fait ma vie. À un moment donné, vous devez faire le grand saut.
Vous y êtes préparé plus ou moins, mais c'est quand même une décision lourde, parce que derrière, il y avait les enfants, il y avait mon mari. C'est un métier qu'on a arrêté, mais c'est la vie ou la mort. Donc, moi, j'aime la vie. Donc, il a fallu se redécouvrir et se dire, qu'est-ce que je vais faire de ce nouveau corps, de ce nouveau moi, de cette nouvelle vie, il faut qu'elle soit utile. Et c'est vers cette utilité que j'ai tendu et que j'ai réussi à m'accrocher et à faire que j'ai grandi. Les Snogoumangan, c'est ces gamins aujourd'hui qui sourient à la vie. Donc c'est très joli, c'est émouvant. Pour le moment, ça doit être dur. Parce qu'en tant qu'adulte, c'est dur. Alors ces petits bouts de chou, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. C'est viscéral. C'est viscéral, peut-être plus comme une lionne qui protège son petit. Moi, je protège aussi mon greffon. Je suis émotionnellement tenu à lui. Elle est belle, cette image. Puis cet enfant qui a l'air d'être là, il se dit, pour lui, la vie est normale. Est normale, mais rien n'est normal dans ce qu'il vit. Rien n'est normal. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle le reçoive, ce coup de fil. Voilà. Le fait d'être une femme, c'est aussi peut-être ce que moi je n'ai pas connu parce que j'avais déjà eu des enfants, mais pour des jeunes femmes, le souci de la maternité peut être quelque chose de violent, dans ce qu'on peut un peu discuter avec les jeunes femmes greffées qui n'ont pas été mères. Je sais que les médecins autorisent les grossesses chez les greffées, mais après il faut prendre des précautions. Une jeune fille, je pense qu'elle se projette dans l'avenir, donc je pense que c'est plus compliqué d'être une femme greffée qu'un homme greffé. C'est pas facile, mais il faut toujours espérer quand même. Oui, il faut espérer. Ce matin, je suis pas. Après, voilà, une fois sur la piste, on verra, mais pour l'instant, c'est pas la forme. Je ne vous sens pas comme je devrais le sentir. Je ne me sens pas dans mes jambes, en fait. Donc, on va limiter les dégâts. Moi personnel à mon corps qui est compliqué en dehors de la greffe. Donc faire du sport, m'exposer, ça n'a pas été pour moi. Non, c'était plus l'appréhension de savoir si ça allait supporter. Après les transformations des médicaments, avec beaucoup de chance, la cortisone n'agit pas sur moi. Je ne gonfle pas, je ne suis pas. J'aurais aimé, hein. Ça m'aurait peut-être apporté une meilleure mine et un peu plus de rondeur. Mais non, la cortisone n'a pas agi sur moi. Et puis après, c'est
Les médicaments, malheureusement, c'est plus une détérioration intérieure. Merci, merci le don d'organes, merci maman. Merci maman de me permettre d'être ici. Oh, on est. Ah ouais. On peut faire mieux, hein. On peut faire mieux, j'avais fait 20 mètres au temps. Des crampes, mais on l'a fait. Avec... Elle est pour toi, maman, celle-là, elle est pour toi. De la participation des femmes, que ce soit dans tous les pays, mais particulièrement en France, parce qu'il y a un rapport au sport et donc à l'exhibition du corps qui est quand même assez compliqué. Donc nous, on fait vraiment beaucoup d'efforts, et cet angle-là que nous avons choisi cette année, c'est, j'espère, ça va nous servir à dire aux femmes, vous pouvez venir, vous pouvez retrouver un corps normal, vous pouvez faire du sport comme tout le monde, et ça vaut le coup de réfléchir à l'opportunité, l'éventualité de reprendre une activité physique. Ça marche, que le sport c'est une façon de conserver ce bel organe, de soigner sa santé, de garder un bon moral et de voir qu'on est comme les autres et parfois peut-être plus. On repart avec plein de beaux souvenirs. Et pas que des cadeaux, des souvenirs matériels, avec des souvenirs aussi vraiment des symboles forts, très forts. Indescriptible, c'est quelque chose à l'intérieur. Il n'y a pas de mots. Avec le résultat des femmes, avec leur participation, et avec le résultat, il y a beaucoup de médailles, etc. J'espère qu'on pourra attirer de plus en plus de femmes dans nos Jeux nationaux, mais également dans les Jeux mondiaux. Je me dis, ouais, un an de plus. Un an de gagné, un an de même pas de gagné, un an de vécu, un an de plus. Et il y en aura encore d'autres. Et je me projette. Non, ouais, c'est beau de vieillir.